Ça y est, je viens de donner mon sac. Ce fut long, ce fut intense, ce fut pénible aussi. Donc voilà, là je suis un peu revenu à un sentiment de je réalise pas trop où je vais et ce qui se passe. Mais bon, on va se remettre dedans, on va se calmer, tout va bien se passer. Donc là je viens de donner mon sac du coup. La prochaine fois que je le vois, ce sera sur un autre continent. La dernière fois que ça s'est passé, c'est quand j'ai quitté l'Amérique du Sud direction la Malaisie, Kuala Lumpur. Premier contact avec l'Asie. Du sud-est, et Kuala Lumpur fut un début très riche, une grosse expérience, et la suite de la Malaisie a été aussi très belle. Donc voilà, on repart là-bas et puis on se revoit après. Ça y est, on a enfin passé les contrôles, donc nous sommes officiellement sortis de la Thaïlande. Ouais, ça me fait rien là pour l'instant, honnêtement. Je pense peut-être que je serai dans l'avion. Mais voilà, là dans pas longtemps, je vais arriver à ma porte, la G2, ce qui me laisse juste le temps du coup de revenir sur Singapour. Petite semaine à Singapour, cette cité-état. J'ai beaucoup aimé Singapour, j'ai été accueilli par la très charmante Dora, rencontrée à Saint-Lunaire, les stages d'orchestre. Très belle semaine et voilà, je peux vous en dire plus. Vous allez revoir tout ça de toute façon. Et ça va juste nous laisser le temps de retourner en Indonésie. Donc s'il y a un mot pour ce pays, ce serait vraiment crescendo. Parce qu'au début c'était vraiment pas top, mais ça allait de mieux en mieux pour finir avec Gili Air et Nusa Penida notamment. Et donc voilà, je ne vais pas vous raconter plus et on va y retourner là-bas le temps de quelques instants. Allez, c'est parti. De folie aux Philippines, dans les rizières et dans les îles. Allez, on y retourne.